fidèles téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, qui signifie tout simplement que la grâce et la bénédiction d'Allah soient avec vous. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission. L'amour de la nation fait partie de la foi. Et la fois passée, nous vous avons entretenu sur l'allégeance aux autorités établies et nous l'avons dit que cette allégeance aux autorités établies est un devoir citoyen. Et nous avons dit aussi que aimer sa patrie, c'est aussi aimer ses autorités et l'on peut tous diriger au même moment. Mais il y a un point très important que nous avons épinglé, où nous avons touché, mais sans toutefois éclairer. C'est ainsi, ici, avant de commencer l'autre partie de notre émission, nous aimerions aussi dire aux autorités, comme nous l'avons dit, que lorsqu'on est autorité, on doit savoir que vous êtes esclave de ceux-là qui vous ont donné mandat. Donc vous devez travailler pour eux. Vous devez penser toujours à l'amélioration de leurs conditions de vie. Il faut surtout aux autorités d'éviter ce que nous appelons les injustices sociales. Du point de vue islamique, parce qu'il s'agit de l'islam, du point de vue islamique, l'islam prône ce que nous appelons la justice distributive. Regardez, le saint prophète de l'islam dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ». Il a dit ceci, « Personne d'entre vous ne peut se considérer croyant si et si s'il pense à l'amélioration des conditions de ses semblables ». En d'autres termes, qu'est-ce que ça signifie? Si vous mangez, pensez à ceux-là qui ne trouvent pas à manger. Et si vous êtes vêtu, pensez à ceux-là qui sont nus. Et si vous êtes chef, autorité de tout rang, pensez toujours à l'amélioration des conditions de vie de vos subalternes. Mais ce que nous fustigeons à nos autorités, c'est une fois devenu autorité, il est devenu autorité pour sa femme ou ses femmes, ou ses enfants, ou ses copines, ou ses maîtresses, ou autorité pour ses amis. C'est ainsi, aujourd'hui, nous voyons des républiques bâties sur l'amitié. Il y a des intellectuels qui finissent, qui terminent les études chaque jour, mais qui ne se retrouvent pas parce qu'il y a une sorte de circuit. Si on n'est pas dans ce circuit-là, on vous écarte. Que vous soyez avocat, que vous soyez pharmacien, que vous soyez médecin, que vous soyez personne de toute formation. Mais une fois que vous n'êtes pas dans ce circuit-là, on vous écarte. On crée des circuits entre riches. On dit « le pauvre n'ira pas au ciel ». Ou on crée des républiques avec, n'est-ce pas, tant d'injustice, ce qui conduit à la désobéissance. Je pense qu'un peuple qui se soulève pour un tel chef n'a pas tort, n'a pas désobéi du point de vue islamique. C'est ainsi, il y a quelqu'un qui m'a posé une question pour me dire, imam, mais pourquoi nous voyons certains pays musulmans réprimandent ou répriment, n'est-ce pas, le manifestant? Oui, parce que du point de vue islamique, lorsqu'on est chef, l'on doit penser chaque jour, quotidiennement, à l'amélioration des conditions de ses subalternes. Mais ici, nous voyons, il n'y a pas. Donc, l'État, aujourd'hui, oui, nous disons que nous devons les aimer, nous vous aimons, mais pensez aussi à l'amélioration des conditions de ceux-là qui vous ont donné mandat. Et une fois qu'il n'y a pas cette justice-là, le contraire de la justice, c'est de l'injustice. Et l'injustice conduit à la désobéissance. Mais aujourd'hui, nous allons tout petit peu vous entretenir. Aujourd'hui, le thème, c'est « Au prix de mon sang ». Donc, l'on doit aimer sa patrie, le servir,
jusqu'au prix de son sang. C'est ce qu'on appelle pour le militaire les sacrifices suprêmes. Mais ce sacrifice suprême-là doit être aussi la conséquence d'une justice équitable. Mais lorsque nous voyons les policiers, les militaires, ceux-là qui sont dans les services de renseignement, qui rendent des loyaux services au pays, à la nation, ne sont pas bien traités, ne sont pas bien rémunérés, ça crée une frustration, ça crée et ça conduit à la désobéissance. Mais au moins pour l'islam qui nous a dit, nous devons aimer nos patries jusqu'au prix de nos sangs, nous devons aussi savoir que s'il est faux qu'un citoyen responsable doit s'engager dans l'armée afin de défendre le pays contre les ennemis de tous bords, est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Nous devons aimer nos pays, comme chez nous ici en Afrique, on avait un leader qui disait ne pas trahir, n'est-ce pas, son pays ou sa nation, ou sa patrie. Mais aussi, nous devons aimer notre pays, vivre ensemble, que les différences ethniques, tribales, linguistiques ne soient pas des motifs qui vont nous conduire, n'est-ce pas, à la désunion. La désunion n'est pas une bonne chose. L'on doit tous se cramponner dans les câbles d'Allah. Lorsque Allah lui-même nous dit « Wa'atassimu bihablillahi jami'an » Cramponnez-vous tous aux câbles d'Allah. « Wala tafarraqu » Et ne soyez pas divisés. Là, ce verset fait allusion aux croyants musulmans, quelle que soit leur divergence de vue ou divergence de tout genre, ils doivent se cramponner. Mais plus loin, si nous faisons toujours la déduction de ces versets, il est allé plus loin jusqu'à nous demander à être unis ensemble pour promouvoir, booster de l'avant le développement de notre pays et se sacrifier jusqu'au sacrifice suprême pour notre pays. On ne doit pas trahir nos pays. Il y a de ceux-là qui vont me dire, non, imam, Allah n'a pas créé des patries. Mais regardez ce qu'Allah dit dans la sourate 49, si je ne m'abuse. Dans la sourate 49, Allah dit, « Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. » Nous vous avons créé émana d'un femelle ou d'une femelle. « Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. » Et nous vous avons créé en tribu, en ethnie, en clan, pour que vous vous entreconnaissiez. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Le plus noble d'entre vous est celui qui est le plus pieux. Oui, Allah n'a pas créé la patrie, parce que cette notion de la patrie, elle n'est apparue que vers 18e, 19e et 20e siècle. Il n'y avait pas cette notion de la patrie. Mais aujourd'hui, nous avons des États, nous avons des patries, nous avons des nations qui sont fondées autour des valeurs républicaines. Mais nous devons, nous, enfants, habitants de ces nations-là, aimer ces nations-là et à lui porter aussi nos secours de tout genre et être prêts aussi à se sacrifier. Nous avons dit dans les précédentes émissions, il y a cette notion d'aujourd'hui, cette notion qui, on dit, la seconde nation. On peut être un expatrié qui a passé toute sa vie dans un pays X. Et cette nation-là, ce n'est pas sa nation d'origine, mais elle est devenue, n'est-ce pas, sa nation d'adoption, sa seconde patrie. Alors, et ceux-là, les autochtones, et ceux-là qui sont étrangers, expatriés, mais qui ont choisi nos républiques comme seconde nation, ensemble, nous devons, n'est-ce pas, vivre ensemble pour concourir et promouvoir, n'est-ce pas, nos nations. Il ne doit pas y avoir ce décalage que nous constatons, fort malheureusement, dans la plupart des pays. Les expatriés et les autochtones ne collaborent pas. Les expatriés vivent comme
des grands bouanas, comme nous disons chez nous ici en Afrique, des grands bouanas ou des grands messieurs, des grands citoyens. Et les autochtones vivent, n'est-ce pas, défavorisés. Ce n'est pas une très bonne chose. Peut-être aussi les systèmes politiques que nous avons établis qui ne sont pas si meilleurs et ces systèmes politiques nous fragilisent. Aucun système, nous disons, aucun système n'est parfait lorsqu'il ne résout pas ou il ne concourt pas à l'amélioration des conditions de vie de sa population. Aujourd'hui, on ne peut pas se prévaloir, dire que tel système, il est bon, mais il ne résout pas les problèmes de sa population. Regardez aujourd'hui, pour nous, Africains, s'il faut s'interroger, est-ce que nous, Africains, aujourd'hui, sommes-nous fiers de la démocratie? Je me dis non. J'étais trop jeune quand il y avait ces régimes dits dictatoriaux. Mais aujourd'hui, avec ces régimes dits démocratiques, je vois qu'il n'y a pas de différence. Donc, on a déshabillé ces régimes-là pour habiller toujours ces régimes. Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, se fondant sur ces principes de la loi, de la majorité, oublient de servir ceux-là qui les ont mandatés, ceux-là qui les ont donné mandat. Et lorsque vous avez mandat, vous n'avez pas mandat pour vous, vous avez mandat pour rendre des comptes à ceux-là. Le peuple qui vous a choisi a besoin des comptes, et des comptes palpables, a besoin de se faire soigner, a besoin de scolariser ses enfants, a besoin de beaucoup de choses. Comme a dit un musicien de notre pays, que demande le peuple? Le peuple, n'est-ce pas, a des choses qu'il demande. On ne peut pas seulement inviter les musiciens à chanter des slogans creux, que non, l'amour de la patrie, soyez prêts à se sacrifier pour votre patrie, mais en retour, qu'est-ce que ce peuple qui veut se sacrifier pour sa patrie récolte ou bénéficie? Rien. C'est ainsi, vous voyez, il y a un décalage entre autorité et, n'est-ce pas, administré. Mais nous disons que l'islam, notre religion, votre religion nous demande à être, n'est-ce pas, que nous soyons des citoyens responsables, prêts à se sacrifier jusqu'au prix de son sang. S'il faut qu'un citoyen responsable doit s'engager dans l'armée afin de défendre les pays contre les ennemis, de tous bords, c'est une très bonne chose. Comme nous aussi, avec nos prédications, avec nos enseignements, nous essayons tout petit peu d'éveiller les consciences et de dire aux gens, nous sommes prêts à se sacrifier au prix de notre sang. Même ces discours que nous tenons ici, pour certaines personnes, ces discours apparaissent offensifs ou offensants, dès lors qu'ils ne cadrent pas avec une certaine idéologie, avec ces hégémonies déjà établies, comme Allah ne cesse de décrier, parce qu'Allah dit « Inna al-muluka idha dakhalu al-qariyata afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adhilla » Allah dit ceci dans une tradition très rapprochée. Il dit « De mauvais systèmes, lorsqu'ils s'installent dans un pays, ces systèmes-là assujettissent les natifs de cette nation-là et le rendent, n'est-ce pas, les natifs de cette nation-là vulgaire. » C'est la grande question que moi je me pose, la démocratie. En quoi elle nous est utile s'il fallait hier chasser tous ces dictateurs? Mais ces démocrates aujourd'hui au pouvoir, est-ce que le peuple africain se réjouit d'eux? Je pense que non. Alors on ne peut pas demander aux gens de se sacrifier pour leur pays, mais un pays qui ne promet que des injustices sociale criante, où on dit le pauvre n'ira pas au ciel. Les églises aujourd'hui en Afrique sont devenues aussi sujets de colonisation, sujets de domination, sujets d'avilissement, sujets d'appauvrissement. Mais pourtant ces églises, dites parfois des réveils, je ne sais pas en quoi ces églises
réveille. Et votre religion, l'islam, éveille votre conscience par des moyens rationnels que nous sommes en train de faire. Loin de nous l'idée de vous révolter. Loin de nous. Mais l'idée pour nous, ou le but pour nous, c'est de vous conscientiser. Et autorité et subalterne. Les dirigeants et les dirigés, tous doivent se mettre d'accord qu'ils ont des comptes à rendre, mais surtout, celui qui a plus de comptes, à rendre, c'est celui qui est au pouvoir, le détenteur du pouvoir. C'est celui-là. Il ne doit pas se plaindre, parce qu'il y a, des droits qui versent la population, les droits fiscaux. Et ces droits fiscaux-là, parfois, n'entrent que dans les poches de ceux-là, qui se disent aussi parfois démocrates. Je ne sais pas si la démocratie, en quoi elle a favorisé les continents africains noirs. En rien. Mais pourtant, elle a causé des torts. Elle a causé d'innombrables conséquences. Mais nous osons croire que ces autorités qui nous suivent et qui vont nous suivre, n'est-ce pas, ils doivent tout petit peu se ramener et ils doivent savoir que s'ils se considèrent forts, puissants, mais ils doivent savoir que la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas de force ni d'autorité si ce n'est que par Allah, celui le tout puissant, le plus fort. Il y a eu des royaumes qui ont été péris, il y a eu des hommes puissants, mais qui aujourd'hui se retrouvent sans puissance. Le maître de la puissance n'est que Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, nous sommes prêts, comme nous avons dit, au prix de mon sang, je suis prêt à servir ma nation. S'il faut que, en citoyen responsable, que je suis, que je puisse m'engager dans l'armée afin de défendre mon pays contre les ennemis de tout bord, je suis prêt et je serai là toujours au service de mon pays. C'est ainsi, nous demandons à la jeunesse musulmane, africaine ou à toutes les jeunesses confessionnelles, n'est-ce pas, d'aimer leur pays et de ne pas les trahir. Et ça, c'est vraiment un sujet que nous pensons qui est trop profond ou très profond, mais nous allons tout petit peu toujours, à la prochaine fois, essayer aussi d'épingler certains aspects relatifs toujours à ces sujets, parce que nous reconnaissons que les temps qui nous sont impartis ici, ce temps-là, il est minime, mais il vous permet quand même de se faire une idée et aussi, pourquoi pas, de vous poser des questions et de nous poser des questions ou carrément de nous écrire aussi dans nos boîtes e-mail pour que nous enrichissons, n'est-ce pas, ces thèmes qui sont de très grande importance. Sur ce, je demande à Allah de me pardonner et de vous pardonner aussi, de vous garder très longtemps au service de l'islam et des musulmans. Et tous, nous devons savoir que nous avons des comptes à rendre. On est parents, soyez responsables de sa famille. Et le Saint-Prophète a dit « Kullukum ra'in, chacun de vous est comme un berger, wa kullukum mas'oulun an ra'ayatihi, et chacun de vous sera interrogé de sa bergerie. » Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.